بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد من فريق بن سير تلعبو السلام الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروهم إنك كنت غفارا. Tout d'abord, toujours nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu qui sera hamlonu. Allah sera hamlonu parce que pour apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons Allah ce tawfiq qui Allah lui envoie ce blessing l'onu, il envoie ce rahmat l'onu pour qu'il nous assise, nous apprenne nous din. Nous pas qu'on nous din. Nous ne pouvons pas connaître qui nous peut causer quand nous causons Kourbani, quand nous ne pouvons pas apprendre nous dire, nous ne pouvons pas connaître qui appelle Zakat, nous ne pouvons pas connaître qui appelle Salat, nous ne pouvons pas connaître qui appelle Shirk, nous ne pouvons pas connaître qui appelle Tawhid. Et quand l'ignorance est propagée dans la société, ils trouvent parmi Bansi de Bansi de Qiyama, Yadharu al-Jahlu, ça veut dire que Yadharu veut dire l'apparence de l'ignorance partout. Right? Ça veut dire, ben, sœur, n'est plus connu qui la loi applique aux autres. Ben, enfants, n'est plus connu qui la loi applique aux autres. Ben, parents, n'est plus connu qui la loi applique aux autres. Ben, commerçants, n'est plus connu qui halal, qui haram. Ben, musulmans, n'est plus connu qui appelle shirk, qui appelle bid'a. Pourtant, tout musulman de tout jamaat, je ne tombe d'accord qui, ma baqiya shay'un yuqarribukum ila al-jannati wa yuba'idukum anin nari. إلا قد بين لكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم d'un hadith et de plusieurs hadiths, pas un hadith, de plusieurs hadiths de ce sens-là, que Rasoul صلى الله عليه وعلى آله وسلم de khulasa, c'est qu'il y fait une enseigne sur l'ummah tout quelque chose qui est bon pour lui. Hadith de Sahih Muslim, un hadith de Ibn Hibban, un hadith de Tabrani. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam l'enseigne sur l'ummat tout quelque chose qui est bon pour sa ummat là. Et il finit averti sa ummat là tout quelque chose qui n'est pas bon pour sa ummat là. D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala jamais dit pas enlève un nabi ou bien un rasoul aussi longtemps qu'il n'y pas enseigne sur l'ummat, il n'y pas informe sur l'ummat tout quelque chose qui est bon pour lui, qu'il y connaît. Et il averti les autres contre tout quelque chose qui n'est pas bon pour les autres qu'il y connaît. Right. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ma baqiya shay'un yuqarribukum ila al-jannati. Wa yuba'idukum anin nari illa qad buyyina lakum, excepté que Rasoul Amin finit clarifier pour nous tout quelque chose. Et il y a beaucoup de riwayat que Rasoul Sam dit illa wa qad amartukum bihi, excepté qu'il m'offre une ordonne zot, ça m'offre une enseigne zot, ça m'offre une montre zot, tout quelque chose qui est bon pour zot et tout quelque chose qui n'est pas bon pour zot. Right, là. Ça veut dire, nous, musulmans, nous avons un dîn qui est parfait, avec un Rasoul qui est parfait, avec un livre qui est parfait, nous ne pouvons pas inventer aucun ibadat, nous ne pouvons pas inventer aucun nouveau dîn, nous dîn est perfectionné. Allons-nous en poursuivre, allons-nous demander à Allah subhanahu wa ta'ala du'a qui Allahumma waffiqna lil'amali bima tuhibbu wa tarda, ou Allah donne-nous tawfiq pour qu'il nous mette en pratique
toute petite chose qui pourra rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Nous laissons le munafiqin nous finir expliquer dans 7e session, ça veut dire dimanche, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'unveil, l'unveil, démasquer man munafiqin de Coran afin qu'il deux affaires. Premier, c'est qu'il nous prend précaution contre Dieu. Et numéro 2, c'est qu'il nous purifie nous avec sa man qualité qui ressemblait man munafiqin. Right? Et Allah subhanahu wa ta'ala qui fait les fin servi beaucoup ayat Coran pour déchiffrer man munafiqin parce qu'il tellement il y a une bala pour sa ummat là, tellement il y a une difficulté pour sa ummat là, tellement je peux donner une difficulté parce que je peux venir parmi ou pour assise parmi ou pour mettre linge parmi ou pour servir, pour manger avec nous Allah, pour habiller comme nous, mais c'est moi à l'intérieur je suis attaché avec l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, les pour paraître devant vous en tant qu'il a paix, mais à l'intérieur c'est un liquide qui remplit avec l'ennemité pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour dîner Allah subhanahu wa ta'ala et pour les musulmans. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala il déchiffre les munafiqin. Nous fin trouve première qualité dans la semaine passée, c'est je peux faire semblant je n'amène iman, je peux prononcer iman avec je la bouche, mais de je déquier je pas finir amène iman. Right? Première qualité. Deuxième affaire, nous apprenons parmi maintenant je chose qui je fais de je déquier la maladie. Qui maladie? Sa maladie qui couvre là. De autres les qui a peine ni sa maladie qui de autres les qui là c'est reset iman. Alors ça reset iman dans les qui est dans l'apparence montrer qu'il amène iman, ça c'est une maladie principale, plus grande maladie qu'un les qui est capable de nous tous nous les qui ont un certain pourcentage de corruption et de maladie là-dedans. Nous tous nous les qui nous un pourcentage de corruption, nous un pourcentage de iman dans nous les qui un pourcentage de sulh de nous l'équire, de pureté de nous l'équire. Right? Il y a ça. Ça même qui nous fait bon action. Mais nous pas ça l'équire qui les remplit avec koufour tout seul ou bien nifak tout seul. Non. Nous, man musulman, nous l'équire, c'est un l'équire côté na iman là-dedans, en même temps dans ça l'équire là, il y a un manquement là-dedans. Il y a une désobéissance là-dedans. C'est même qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Hujrat, il dit ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله سبحانه وتعالى لينكونتن بوان صحابة إيمان دي زوت لكي إليفين أمبلية إليفين زوت لكي أفك إيمان وزينه زوت لكي. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, jala jala, quand nous lisons le Coran avec sunna en détail, ou pas pour retourner dans une leçon précédente passée, qui nous l'écrit, si vous avez l'équerre qui est 100% pur avec iman, nous actions pour vous 100% pur d'après iman. Si dans l'équerre, il y a un pourcentage de pureté et un pourcentage de corruption, dans nos actions pour un pourcentage de pureté et pour un pourcentage de corruption. Comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, « Ala inna fil jasadi mudra, idha salahat salah al jasadu kullu, wa idha fasadat fasad al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. » En vérité, dans l'équerre, il y a un bout de la chair. S'il est pur, vous êtes corps entier pour pur, et s'il est corrompu, je te pour corrompu, et ça montrer à talazum entre l'équerre et nos actions du corps. Arrête là. Alors, deuxième qualité de Mounafiqin, ça l'équerre qui est dans les sa maladie qui est dans les autres, là, ici c'est maladie de nifaq, de désobéissance, de reset din Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala augmente ça dans les autres. Arrête là. Alors, nous qui nous avons fait, là nous avons une halat très dangereuse ça. Right. Écoute ça. C'est pour ça que nous, quand nous pouvons tourner dans la désobéissance, ça veut dire qu'il y a une halat de nous lesquels, un pourcentage de corruption. Nous vous disons, Allahumma tahir quloubana min al-nifaq wal-ma'asi. Demande Allah, dua ki, oh Allah, purifie nous lesquels. Ya muqallib al-quloub, thabbit quloubana, fais nous lesquels, ala din, et que tu n'y fermes le tout din, parce qu'il donne nous une action. Moi, avec où? Moi, moi, très connu, très bien. Et c'est lui qui peut causer, et c'est lui qui peut écouter, qu'il y a un pourcentage de piété dans nos actions, un pourcentage de corruption. Alors quand nous connaissons ça, qui nous a fait, nous a supplié Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous l'équerre entre ce délai de doigt, qui ya Rabbi, qallib quloubana ila dinik, Allahumma ya muqallib al-quloub, qallib quloubana ala dinik, ou thabbit quloubana ala dinik, ou Allah, si nous l'équerre, fais-le tout din. Right. Alors ça, nous finissons là.
Troisième qui nous trouvait, يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. Parmi les caractéristiques de les munafiqins qui est dans le Coran, qui tout quelque chose qui arrive, je pensais qu'ils conduisent. Dans l'époque du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui munasaba sa ayat là, c'est qui maintenant, je connais les munafiq. Et wahi peut descendre, à chaque fois que wahi descend, je dis astia Allah pour donner nous. Allah astia pour enlever nous. Alors je suis bien hatraka là tout le temps. Et généralement pendant, ça veut dire après l'époque du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tout quelque chose qui arrivait, je te crois pour vous même. Conduite plutôt. Arrête là. Numéro 4, Al-Khid'a. Al-Khid'a, c'est, comment dire, je peux faire paraître. Je peux rôder en bête nous. Qui fait un monafiqin, je peux faire comme un kafir, nous pas amener iman, nous pas amener iman, nous Allah. Qui fait comme un mouchir qui est Koresh Makka, nous. Qui fait, je peux faire ça, comme ça là. Zot qui se peut faire zot, zot je peux venir faire semblant, je n'amène iman, à l'intérieur, je ne résette iman, comme un Koresh Makka de zot l'équipe. Mais Koresh Makka, lui, en public aussi, il peut dire qu'il ne résette iman, à l'équipe aussi, il ne résette iman. Ça, c'est halat du man kafir. Mais halat du monafik, différent du un kafir. Un monafik, il peut prononcer iman, il peut venir dans sa ensemble avec vous, il est capable de donner l'argent pour monter masjid, il est capable aussi pour faire fils-sabili. Là, monsieur, il y a un monafik, de ce lequel il résette iman. Alors, الله سبحانه وتعالى إن زيادة القرآن سابل سخدعة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون زبي إيسي كي زفيا كي زبي غد فيا زبي غد أنبت الله سبحانه وتعالى زبي إيسي أنبت الله سبحانه وتعالى بوجيه كي نونا من إيمان بي الله سبحانه وتعالى بيتخد زود لكي لكون كينا زود لكي سيم كي دا سورة النساء وسي الله سبحانه وتعالى إن زيادة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ما المنافقين je vais essayer d'embêter Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ne baille pas aux autres, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala jala jala, qui peut les autres rester dans sa halata, qui peut essayer de faire apparaître que c'est un iman, mais Allah les connaît. Right là, ça clair. Alors, raison qui va nous faire ça encore, qui fait je peux embêter les mu'minin, qui fait? Mais pour qui les mu'minin ne pas connaît, quand les mu'minin ne pas connaît, pour qu'il n'y ait plus beaucoup de difficultés, quand l'ennemi Allah devant eux, dans saf de man mu'min et man munafiqin, situation est beaucoup difficile. Comme en halat de nos jours. Dans halat de nos jours, vu qu'il nous paye dans le wahi, mais quand nous payons dans halat de beaucoup de musulmans et de pays musulmans, pas connaît de qui savent ce été. Un parmi les chefs dans LGBT dans Maurice, c'est un musulman. Un parmi les ansos dans LGBT dans Maurice, c'est un musulman. Dans la France, il y a un masjid des LGBT. Dans l'Amérique, il y a un masjid de imam, tifi, garçon, tifi, Michel, madame, fait dans même saf. Mais qui est arrivé ça? Qui qualité ça? C'est moi, nous avons un wahi pour nous connaître, c'est pas de celui qui est arrivé ça. 99% nifak avec 1% iman, ça ou ça 100% nifak, ça. Qui était ça? Et c'est quelle difficulté ça donne communauté? Quand un défendeur démocratie, man défendeur libéralisme, il y a un musulman. Là, comment nous faire pour la guerre? Quand man qui peut résister sharia, man qui peut sans din Allah, pour introduire dans le système de gouverner, haram vin halal, et halal vin haram, là qui est arrivé ça? Qui arrive cette situation-là? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il donne man signe dans le Coran. Right là. Cinquième qualité, je t'avais, quand je ne fais semblant de iman, je ne fais ça avec une protection pour eux contre les mu'minin. Parce que si je annonce que je n'ai pas été ouvert, ça veut dire que pourquoi nous n'avons pas l'ennemi. Alors, en même temps, je ne donne plus beaucoup de difficultés quand je fais semblant de faire iman. Deuxième qualité, en même temps, je protège eux. Même nous, nous, les mu'minin, nous. C'est-à-dire, si arrivé l'islam prévaloir, nous sommes ensemble avec les qui une porte victoire. Si l'islam perdit, nous sommes ensemble avec les kafirs. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إننا نحن مستهزئون إنما نحن مستهزئون. Alors quand je viens pour un mu'min, je dis un mu'min, si je n'ai pas de victoire, je dis un mu'min, si je dis un mu'min, il perd la guerre, là je dis, mais non, il ne peut pas te dire, nous te dis à autres, qu'on ne peut pas venir, on peut finir avec les autres, parce qu'on conseille les autres. Ça, c'est qualité de man munafiqin. Ça, c'est cinq qualités qui nous font dans les leçons numéro 7. Dans les leçons numéro 8, aujourd'hui, mon frère et mon soeur, parmi les caractéristiques des munafiqin, qu'est-ce que tu fais? Qalb al-umur. Qui veut dire qalb al-umur? Qalb al-umur veut dire
Bah, le mujahidin, on appelle les terroristes. Nous sommes dit. Aïe, là. Bah, les gens qui appellent vers Kitab avec Sunna, appellent les autres fondamentalistes. Bah, les gens qui peuvent dire que l'islam, c'est une solution pour humain, on appelle les autres, bah, moutachet didin, bah, très dur. Bah, les gens qui peuvent dire, bah, sœur, pour respecter, bah, limite Allah subhanahu wa ta'ala, ça, bah, n'a pas dit, toi, je trop sévère, ça, bah, je peux faire des gens sauver, Odin. Tu vois, quoi, situation, on a un exemple, là. Ou peut-être conseiller un serre, ou peut-être un serre comme ça, ou connaît tout l'habillement, il finit décidé par aller avec son rasoul. T'es un moumine, toi. T'es pas une monafique, toi. T'es pas une kafir, toi. Si t'es pas connu, mon pion saint, toi. Si t'es un iman faible, demande à Allah, demande pardon. Allah, chini toi ferme. Ou bien l'autre, il te vient te dire un frère comme ça. Un frère, diamant comme ça, tu connais qui te casse la tête, à ce haram, halal, n'est plié dans sa. Casse la tête, toi, si tu gagnes, prends. Hein? Qui t'y? Si haram nous prend. Nous prenons haram si nous avons des problèmes, nous gagnons haram aussi, nous prenons. Si mon business pas de travail, là, je pour faire haram, pour faire haram là, pour mon business travail. Ça c'est, « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا » Ça c'est ayat Coran qui tout le temps nous dit à mon frère, mon sœur, si nous pas dans cette taqwa, là, comment nous voulons qu'il y a chaque fois nous sommes fermés, Allah ouvert. Gagne taqwa, là, tu peux trouver Allah ouvert. Établis la charia à Allah Azza wa Jal, tu peux trouver manger et descendre dans le ciel. Tu as envie de trouver miracle, ô Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô humanité en entière, je t'ai envie de trouver miracle du Créateur unique. Établis ce principe, établis ce système. Si l'ennemi Allah met en embargo aux autres, manger pour descendre dans le ciel. Ça, c'est promis qu'il y a fait. Hein? Non. Nous pas voulons implément dîner Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons tout miracle, c'est mon pari. Allah dit dans surah Ma'ida, « وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ » Si banna tu établis, ban juif tu établis les autres livres, ban chrétien tu établis les autres livres, et puis dis avec Quraysh Makkah, zot établis les autres livres qui descendent vers les autres, ça veut dire « Al-Qur'an » لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ » Tu peux manger depuis le ciel et depuis en bas de les pieds. Tu peux gagner les autres risques depuis le ciel et depuis en bas de les pieds. Mais pour gagner ce miracle-là, dans nous l'époque, pour ça être pour en avoir vivant dans nous la vie, pour nous trouver pouvoir Allah subhanahu wa ta'ala, jala jalaluhu, pour nous trouver miracle, promesse Allah subhanahu wa ta'ala, jala jalaluhu, il faut nous mettre en pratique première partie ayat Qur'an-là. Pareil comme ça dans surah Talaq, surah 64, verset 3. « Oman yattaqillah yaj'al lahu makhraja » C'est lui qui n'a taqwa Allah azza wa jala, celui qui a respecté ibadat, zispo Allah, et ben limite Allah subhanahu wa ta'ala, jala jalaluhu, à chaque fois qu'il a porte fermée, Allah pouvait s'y mettre pour lui. Nous avons s'y mettre ouvert sans nous vivre muttaqi, sans nous n'a taqwa Allah azza wa jala, il n'est pas pour arriver. Pas pour arriver jamais. Pas pour arriver jamais. C'est pour ça que moi, je suis frère Asraf, moi j'ai un conseil, le Quds Network, dans Gaza, qui au Ahlu Gaza fausse Hamas pour établir la charia de la terre. Parce qu'il dit, ni gouvernement palestinien reconnaît lui, ni Ordon reconnaît lui, ni l'Égypte reconnaît lui comme un gouvernement, ni la Syrie reconnaît comme un gouvernement, et dans l'embargo des alourdis par les zionistes, qui t'opère, dis-toi, t'as pas envie de faire l'expérience Coran pour mettre en pratique charia Allah, l'auto la terre dans Gaza tout seul, pour se trouver pour mettre Allah descendre aux autres. Et ça peut retarder la victoire Allah subhanahu wa ta'ala, jala jalaluhu, le Ahlu Gaza, parce que même qui sont déjà dans l'embargo, dans l'Hissar, ils sont fermés partout, là aussi je pense qu'on annonce que nous pouvons implémenter la charia Allah wa jala. Ça ne veut pas dire pas être zut, là, je ne vais pas cause ça. Je ne vais pas cause que Allah subhanahu wa ta'ala, jala jalaluhu, dans le Coran, il donne une équation et un miracle pour produire, baser l'eau sur cette équation. Si nous n'avons pas cette équation, nous n'avons pas ce miracle-là. Les ayats Qur'an résistent, réciter dans le Tarawih. Réciter dans le Tarawih. « Wa law annahum aqamut tawra da haram Makkah, da haram Madina, da masjid, da Kea, da Qahira, da Sham, da Al-Jazair, da Tunisia, da Yemen, partout. N'est qu'à l'aim. Wa law annahum aqamut tawra da wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbim la akalu min fauqi wa min tahti anu minhum ummatu muqtasra wa kifirun minhum sa'a ma yahkumun, sa'a ma yamalun. » Azodi, quand nous musulmans, nous visons déshonorer nous devant ben, l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala à cause prix hajj, à cause prix kurbani, qui fait ça? Qui fait? Qui n'arrive musulman? Oh, tu n'as pas qu'on deal tes affaires, toi?
Tu n'as pas qu'on dresse un système, toi, toi, musulman, tu peux un Coran avec Sunna pour te dresser tes affaires, pour te ramener un lot dans sa couille d'affaires, là, pour dans sa travail, là. Nous, nous pas musulman, nous peux un accountant dans l'Ummat, nous peux un avocat dans l'Ummat, nous peux un intelligent dans l'Ummat, nous peux un financier dans sa Ummat, là, nous. Qui est arrivé ça? Tout qui sont nos problèmes, nous faisons route dans sa la case là-bas qui appelle Beit tout Tashri'. Hein? Nous faisons là-bas. Et nous très contents, mais nous avons rentré et dresse nous nos affaires. Hein? Ça, le Coran, il enseigne nous. Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalla, parmi les sifat al-munafiqin, qui est mentionné dans le Coran, laqad ibtaghal fitnata min qablu wa qallabu laka al-umur hatta ja'a al-haqqu wa zahara amrullahi wa hum karihun. Qui est-ce, les munafiqin, qui est-ce fait? Se donne difficulté à ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Se donne difficulté. Je donne difficulté pour capable d'implémenter din Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Je donne difficulté pour man mu'minin mettre en pratique din Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il fait, je suis parmi les saf de man mu'min. Je suis munafiq, pas connu. Et qui je fais? Wa qallabu laka al-umur. Qui dit ça, wa qallabu laka al-umur là? Hein? Je te sens façon présente une petite chose. Al-Shawqani rahmatullah alayhi qui lui dit, je divise mon mu'minin. Il y a une sifat là, bien là, tant ni bien. Qu'est-ce que je fais? Tafriq qalimatul mu'minin. Tashtid shamlahum. Je devine pour sakouiller ça l'unité de mon musulman là. Arrête là. Et qu'est-ce que je fais? Wa qallabu laka al-umur. Je te sens présentation, man qui chose. Je fais? Je te sens présentation, man qui chose. Ça veut dire, écoute bien, moi, explique une affaire. Il faut dire, moi, là, moi, appelle-moi, un exemple, disons, moi, appelle-moi Jannati, Ahlul Jannah, moi, mon groupe Ahlul Jannah. Right? Si vous laguez au moins, ça veut dire qu'il est arrivé. Si vous laguez au moins, on peut laguer avec Ahlul Jannah. Si vous attaquez-moi, on peut attaquer Ahlul Jannah. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec Ahlul Jannah. Ça, c'est la situation de l'Ummat. Nous ne l'aguons parce qu'il nous connaît, nous, qui nous peut faire le salaté à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous connaissons très bien qui nous peut faire le salaté. Est-ce que vraiment nous les dînes Allah ou bien nous les mots Jamaat, mots Sef, mots Amir, mots Maulana, mots Pire, mots l'opinion. Moi, mots l'opinion prévaloir le sa Ummat là. Right là? Alors, nous connaissons ça très bien, nous, qui nous peut roder. Alors, là, pour nous capables, musulmans, accepter ça, nous faisons sens man haqa'iq. Nous avons sens de vérité. Nous avons présente la fossé d'une façon que nous embellirons. Hein? Zoukhrouf al-qawli ghuroura. Wa kadalaka ja'alna surah an'am. C'est par an numéro 8, deuxième ayet, la première page. Qui Allah dit, wa kadalaka ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jin yuhi ba'duhum ila ba'd. Zoukhrouf al-qawli ghuroura. Zot embellir ban ibarat batila. Une fausse phrase, une fausse ibara, perception, qui se fait avec lui, je te présente lui bien, du monde n'est qu'accepté. Ça, c'est la qualité de mon munafiqin dans le Coran, dans la Surah Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qallabu laka al-umur, sarrafu al-umur, ghayyaru al-umur min amrin ila amrin akhar. Right là? وَدَبَّرُوا لَكَ الْحِيلَ وَالْمَكَائِدِ. Je fais un plan, je fais une tricherie pour attaquer din Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sahabi, un sahaba. Et je parmi les saf de mon sahaba avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Essayez d'imaginer sa souffrance qui est bien passée à cause de là. Right là? حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce din prend place. Je connais, ben frère, aujourd'hui, nous là, avec nos Coran qui sont du côté d'Allah, qui est miracle là, avec sa Coran qui est parmi nous là, là, ya'tihi al-batil min bayni yadihi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid, la sourate Fussilat. Allah peut dire sa Coran là, pas fausseté, pas qu'à faire face avec sa Coran là, fausseté, pas qu'à faire face avec Coran, fausseté, pas qu'à faire face avec Coran, nous musulmans, tous nous qui sommes dirigés par kafir, par l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala, et nous comptons tout. Nous dans le Coran, nous. Parole Rabbul Alamin, Jalla Jalaluhu, entre nos mains. Plus grand miracle, nous avons fierté pour dire maintenant non-musulmans. Nous avons fierté pour dire maintenant musulmans. Nous, musulmans, nous livres, nous restent inchangés, inaltérables. Inaltérables, un livre qui unaltered. Encyclopédie britannique, on peut dire unaltered, heavenly revealed book. An unaltered
Reveal book. Ah, elle attend juste pour dire non aux musulmans ça. Ah. Quand arrive tout, nous, les musulmans, nous, pas qu'on dit nous, les affaires, nous. Nous, les pays musulmans, il y a un problème, l'ONU. Il y a un problème parmi les musulmans, à l'ONU. Ah, nous pouvons kitab, nous pouvons sunna, nous pouvons mettre une mahkama sharia, nous mettons une mahkama, mettre kitab, sunna, mettre un ulama, mettre tout là, après nous discuter, nous ne pouvons pas faire ça, non. Mais quelle réalité ça, Coran, qui est parmi entre nos mêmes miracles là? Qui est la réalité là? Qui est la réalité? Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la réalité qui nous, musulmans, nous avons un livre qui reste insensé? Insensé pour faire quoi? Qui pour faire avec ça? Pour lire d'Akatam? Pour lire, pour faire compétition qirat dans Dubaï, là-bas, dans Abu Dhabi, man qui fait halal vin haram, man qui fait haram vin halal, pour introduire l'alcool dans un airport, officiellement, zina partout, propager zina partout. Hein? Ça, les récemment nous faire plus grande compétition Coran, à cause ça, l'un God Coran intact, à cause ça. Mais il y a Coran, vous trouvez, wa qallabou laka l'umour, c'est de faire. Je te présente qui soit différemment pour accepter. Ben fait, ben c'est le Coran entre nos mains, c'est le Coran qui nous appelle les miracles. Nous tous pouvons dire les miracles, nous tous d'accord, les miraculés, c'est le Coran là. Miraculé dans quoi? Dans qui ça fait les miraculés? Dans son message, dans son bayan, dans son ahkam, dans son justice, dans son rahmat qui est là pour insan, ou la kum fil qisas hayatun ya ulil albab, ou man qui réfléchit dans le qisas, la loi du talion, qui est là, il a la vie pour eux là-dedans, il a la vie pour un ummat là-dedans. Dans le jihad, Allah met un système dans le Coran appelé jihad. Sa jihad là, c'est un moyen pour empêcher l'ennemi Allah réfléchit, toi, à son royal domi. Il n'y a pas besoin de réfléchir, pas pour avoir avec eux. Dans le Coran, faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa hardil mu'minin asa Allah an yakuffa ba'sa alladhina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila. Allah peut dire à travers jihad tu pousses je réfléchis discours pareil comme astiala là Israël peut réfléchir discours avant il attaque Khatayb ou Qassam de Gaza il peut réfléchir sans coup parce qu'il qui fait une réflexion parce qu'il ben là il fait le premier parti du phrase je ne la guerre fi sabilillah. Allah met terrier dans l'équipe, man l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala jala jalaluhu. Nous, man musulmans, pe mot l'omimbar pe la guerre contre jihad. Nous, man musulmans, dans Maurice et dans le monde, pe mot l'omimbar pe dire comme ça la guerre défensive. Vous êtes à travers un amir, depuis quand ça? C'est là qui explique ça. Qui c'est là qui explique dans sa ummat là, quand il y a pour la guerre défensive, veut dire quand l'ennemi Allah rentre dans toute la case, tu as besoin de téléphone amir, j'ai dit qui m'a besoin de faire la guerre, on dit ou ça ne va pas la guerre. L'omimbar pe enseigne ça, ummat. Mais le Coran peut dire faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa haridil mu'minin asa Allah an yakuffa ba'sa alladhina kafaru. Parce que quand tu fais jihad, Allah subhanahu wa ta'ala pour repousser les mal qui l'ennemi Allah envie fait ummat Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wa qallabu laka l'umour. Je te sens man façon présente quelque chose. Alors quand l'ennemi Allah n'est dit terroriste, nous tournons à les terroristes. Quand on a dit ça maintenant, man fondamentaliste, non, les fondamentalistes. Madame Moutache dit, man, très dur ça. Qui dur, bah, la loi Allah dit. La loi Allah dit ça. Ou man, j'ai allé à l'aïkoum fi dini min haraj. Quran, ben, j'ai allé pas mettre l'embarras dans dini. Yuridullah, bikum yusra, wala yuridullah, bikum usra. Allah, ou la facilité pour eux. Il n'a pas ou les difficultés pour eux. Ça, c'est Quran. Ça, c'est Allah, ou makmatu lakum dinakum, ou atmamtu alaykum ni'mati, ou raduitu lakum l'islam adina. Ou peut réfléchir. Ben, frère, alhamdulillah. Je permets une bataille contre prix bif très bien. Nous besoin nous amener. Qui fait nous besoin pas amener. Nous besoin une bataille contre tout l'injustice. Nous besoin une bataille contre tout l'injustice. Nous besoin une bataille. Plus grand l'injustice c'est shirk avec Allah subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Deuxième plus grand l'injustice c'est quand tu finis avec iman, tu n'as pas fait 5 fois salat. Troisième l'injustice point C. Il fait ibadat pour Allah, il fait salat, il pas couvrir. Ça c'est mon plus grand l'injustice envers Allah subhanahu wa taala jalla jalaluhu pour faire une façade de la terre Allah subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Ça aussi, ça n'a plus beaucoup la force encore quand nous finissons avec Corbani. Là, pour attendre, Inch'Allah, tout mon frère qui a mené une bataille contre Corbani, tout mon frère qui fait une manifestation ensemble avec nous, nous pour travailler, pour faire du monde, faire ibadat, si pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous pour sortir en public, nous pour faire conférence, nous pour mettre post sur Facebook, nous pour mettre post sur Instagram, nous visons faire qui fait du monde, demander si avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il nous pas qu'à content, qu'il ne nous pas demander avec un autre apport Allah, et 80% musulmans peut demander, ou ça 50% musulmans peut demander avec un autre apport Allah, mais rapide, destagir, tout hi, ham kakaro, tout hi, bera par, karoto, mera, bera paro, et nous reste tranquille. Nous pas capables. Nous faisons sortir, nous pas qu'à aller à Soalad, nous ne pas faire Soalad.
plus grand ibadet, plus grand toute chose qu'Allah mette dans nos dînes après qu'il nous naît dans la case des musulmans, c'est salat. Qui quand c'est pourcentage musulman peut faire salat? 5 fois salat, nous peut dire salat. Alors nous vous amenons une campagne. Nous vous amenons Djibout. Nous vous êtes djibouté partout. Ça va pas le mentir qui djibouté nous pour la guerre courbanine. Nous vous avez fait 5 fois salat, la guerre, vous avez fait 5 fois salat. Ça va un activiste qui sont aussi mis pour un tracas ou mat. Bien bon, Allah donne zut courage, Allah protège zut, Allah unie zut, Allah donne zut la force, Allah fait zut ban mourad, réussit, Allah protège zut, zut famille, zut enfants. C'est moi 5 fois salat. 5 fois salat. Pas des fois, 3 fois, non. Arrête manger haram, haram. Arrêtez manger haram. Arrête faire dito ton frère. Arrête attaque ton frère sur les deux. Arrête la guerre aussi mis. Frère contre frère. Tiens, hommes, arrêtez ça. Et là, nous faisons progrès avec sa communauté-là. Nous allons sortir, nous tous, nous allons le Coran, nous tous, nous donnons nos musulmans à lire le Coran. Et là, c'est bon. Et là, tout ça fait un mensonge ensemble. En même temps, nous la guerre pour Palestine, en même temps, nous la guerre ben, l'ennemi de Allah, en même temps, nous préparons-nous pour l'arrivée de Mahdi, en même temps, nous la guerre contre Ya'juj, Ma'juj, sur mon représentant, en même temps, nous comptons Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, en même temps nous purifions nos caractères, en même temps nous faisons 5 fois salat, en même temps nous laguons pour prix Kourbani, en même temps nous laguons aussi avec les autres businesses qui amènent Kanson, qui amènent Semis, qui amènent tout ça qui amène Moussalman, puis avec Moussalman, Trossier, nous laguons avec tout en même temps. Pas si ce bif. Bonne pharmacie. Nous laguons aujourd'hui. Alors, il y a un travail pour faire dans la communauté. Là. Il y a beaucoup de travail pour faire. Mais seulement, il ne faudrait pas nous faire kallabou lakal umour, nous pas présenter une quelque chose différente qui soit réalité. Ça, c'est parmi ce fait, man mounafiqine. Alors, une autre qualité, Inch'Allah, bon, numéro 7, c'est yufsidou nafil ard. Je te fais façade, l'olaté, Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalalahu. Al-Tabari qui dit, il dit, نزلت في المنافقين الذين كانوا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان معنيا بها كل من كان بمثل صفتهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة. Qui Tabari? Tabari dit une jolie chose terrible. Je crois qu'il dit, Tabari dit qu'il est vrai que ça a été courant en descente concernant les munafiqin de l'époque de la Soussassa, mais seulement les boucontiers appliquent le ban qui a sa qualité là dans eux jusqu'à Zou Qiyama. Jusqu'à Zou Qiyama. Jusqu'à Zou Qiyama pour qu'il y ait sa mandimoun qui pour une fan façade de la terre Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalou. Qui était ça? Qui veut dire fan façade de la terre Allah? Je vous envie d'entendre. Qualité de munafiqin? Fan façade de la terre Allah? والإفساد في الأرض العمل فيها بما نهى الله جل ثناؤه عن وتضييع ما أمر الله بحفظه فذلك جملة الفساد. كيف جاء فساد؟ سيدزوبية الله سبحانه وتعالى جل جلاله. ده توكي سوز كان لندن لود صعب إلسا فساد. ساجمون كيف عن لطريلا فساد. ساجمون كي زوي لكوز إفيا زوي لكوز فساد. ساجمون كي بوال الكول إفيا بوال الكول فساد. Ça dit, qui vend la drogue, qui achète la drogue, qui amène la drogue, et vend la drogue, et prend la drogue, façade. Ça sert qui les morceaux, les cimets, quand ils montrent tout ce parti, les cours, façade. Et c'est lui qui donne les permissions pour faire sa façade. C'est lui qui achète sa linge, façade, pour lui mettre la façade, façade. Right? C'est lui qui coque un musulman, façade. C'est lui qui peut vendre manger, lui servir un ingrédient qui peut faire un musulman malade, façade. Ça aussi, façade de manger. C'est lui qui servit pesticides pour ce végétation pousse vide pour qu'il n'y ait plus beaucoup casse façade d'en manger. Docteur qui parle de ce patient de l'hôpital parce qu'il travaille à l'hôpital, il peut gagner un tracas quand il rentre dans ce clinique privée façade. Professeur qui peut donner leçon privée, il ne peut pas me montrer sur mes élèves comment besoin façade. Responsable l'école qui ne peut pas prendre responsabilité sur mes élèves qui ont bas son armée pour qu'il y en a pour rendre compte pour chaque élève qui ont bas son armée façade. Professeur qui ne peut pas me montrer façade, parents qui ne peuvent pas prendre compte sur ses enfants, façade. Imam qui ne peut pas prendre compte, il n'est pas venu dans l'air, il est en retard, il n'est pas connu pour qu'il puisse montrer façade. Sur Moussaldi qui ne peut pas écouter, façade. Tout ça là, c'est façade, fil ordre. Mais il y a des N, façade, N, ifsad. Façade, c'est lui qui peut désobéir. Alors, ifsad, ça veut dire qu'il peut faire du monde désobéir. Ici, tufsidou veut dire afsada yufsidou. Ifsaden, ça veut dire ici, ça dit mounali, il peut faire une façade de la terre Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Qui est arrivé? Quand il a dit à eux,
La tufsidou fil ard. Pas faire façade de la TMBS. Les pays organisent festival santé danser Kaza. Kaza veut dire ce qui pour l'année dernière pas de résidu. Et dans Maurice, en plein public, avec un Mauricien qui est très éduqué, avec ce social media qui porte tout du monde qui a un social media, Moussalman encore assisé et puis applaudi. Un du monde dit, il est venu dire comme ça que moi, mon fier, mon les rois, Salman. Et les rois Salman sous son gouvernement, peut mettre façade parmi les mouminines. Peut mettre introduction façade parmi les mouminines. Je connais comment maintenant répondre ça, mais vous êtes un mouminine là, pas aller. Ah bon? Coran dit ça là? Ou est-ce que nous avons tous les deux fait l'arc à l'une de manière nous musulmans, nous sommes réformateurs, nous sommes venus pour purifier la société, nous sommes venus pour faire la société progresser, musulmans, purificateur société, ça appelle ça purificateur société, et musulmans dans Maurice, dans 2021, puis assisé, puis écouté, encore peut-être une casse dans sa qualité de travail là. Mais aïe là, tu es aussi possible de la façade là, et tu casses tout pour rendre compte contre Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Alors, l'ifsad fil ard, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wa idha qila lahum la tufsidu fil ard. Ah bon? Vous connaissez Imarat, qui a été façade in fait dans le Yémen, jusqu'à même l'implose l'Arabie Saoudite dans un khid'a, dans une trahison extra grave. Imarat. Dans Libye, il y avait un avion pour supporter Haftar. Supporter Sisi, pour tous les musulmans de Rabi Adouya. Dans la Syrie, supporter Bachar. Imarat. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Pas appelé ça façade? Hein? Allô, qui est arrivé ça? Alors le Coran dit wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun nous ne sommes purificateurs nous ne venons pas faire façade nous Allah subhanahu wa ta'ala répond ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun c'est ban la même qui man mufsid qui peut faire des ordres de la terre Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu écoutez nous ban qui content fan façade parmi mu'min على إن الذين يحبون أن تشيع الفأسر نور أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allô, فتح القدير الشوكاني رحمة الله عليه كريجيا بان celui qui content أن تنتشر الفاحشة. Ici, ça va être qu'on a une dessin quand بان جيبون إن أتاك عائشة رضي الله عنها. La sourate Nour. Ça se sabab nuzul. Mais Allah subhanahu wa ta'ala li ban mufassir at-tabari jia qui était ça inna la yuhibuna an yadhi'a az-zina fi alladhina sadaqu Allah sadaqu billahi wa bi rasuli yadhhar lak dhalika fihim. Qui dit bien les contents qui fahija paraît pour un mu'min. On guette comme un salon massage in poussé comme un champignon. Salon massage poussé comme un champignon. Tu vois? Ça appelle ça intichar, fahishara. Salon massage. Dans Dubaï, dans l'Imarat, il y a des gens qui ont ça, dans les autres pays, dans les pays asiatiques, dans les capitales, faire business, au cas de nous, dans les bonnes informations, plus que moi, parce que je ne peux pas faire business dans l'Asie, je suis dans le Cambodge avec le Vietnam, je suis trouvé, je suis guetté, quand il y a une catastrophe. Alors, dans le salon massage, peut pousser comme un champignon. Alors, madame là, il y a une douleur, il y a un massage. Michel n'a pas même guetté, si pas madame ou ça pas madame, ça Allah ou Alam, ça ne m'a pas connu. Michel a aussi a beaucoup de douleur, alors il a fait un massage. Là? Alors, ça, c'est intichar. Intichar al-fawahish, ça veut dire prolifération de façade qui appelle zina. Allah dit, c'est lui qui compte faire sa pomme, il m'a mu'min, parce qu'il mu'min là, lui aussi, son iman, il a baissé quand il trouve zina partout. Zina Instagram, dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Zina s'il me dit, Rasul, idhan li bis zina. Oh, Rasul, de ma permission pour faire zina. Dans l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sahaba, Zain, il vient demander permission, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, après Rasul, il fait un traitement psychologique avec lui. Rasul, il fait un traitement psychologique avec lui. Mais ça, dans l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque, qui peut arriver nous, Manzen?
Si nous pas coster nous manzan avec masjid, si masjid li pas prendre godi manjan, si nous pas rapproche nous manz efforts ensemble, si nous pas rapproche nous manz efforts ensemble, qui peut arriver sa société là? Allez. Dis-moi dans 50 ans qui peut arriver. Right? Alors, ça c'est deux qualités principales qu'ils ont dit nous expliquer le man munafiqin, numéro 1 qui était numéro 6. Zodi, c'est premier pour Zodi, qalb al-umur, banna, zot sens, présentation, ban kitseuse. Et deuxième qui zot faire façade de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalla, Allahumma alimna ma infa'na, wa infa'na bima allamtana, mou fait zéfo, qui man frère, nous voulons qui man frère, ban sûr, nous vîn un véhicule pour message Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons besoin d'un véhicule. Nous avons besoin d'un véhicule d'Awa Rasulullah, parmi non-musulmans, parmi musulmans. Nous avons besoin de ce trac-là, de la place côte Mombassé, il y en a 5 du monde, nous avons besoin de faire namaz, il y en a 7 non-musulmans, alors nous avons message, ça 5-là et ça 7-là. Si dans mon travail, moi, un collègue non-musulman, nous avons besoin de passer message. Si il y a un musulman pas pratiquer de bonne façon, nous conseillons ceux. Et dans la nuit, nous faisons droit pour eux. Nous avons besoin de commencer à vivre dans le monde qui a un trac-là. Parce qu'il nous a une responsabilité d'après le Coran et le Sunna, qui nous peut sauver le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons un manquement en même temps, c'est moi, nous faisons du monde qui connaît, je ne peux pas ce message, je ne veux pas dire qu'il m'a plus pas fait qui ou, mais il y a un manquement, c'est moi, je ne peux pas ce message en même temps. Right? Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, il donne tawfiq à tout le monde, qu'Allah guide nous tous, c'est le salat al-mustaqim, wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.